Merci à vous tous, bonsoir. Soyez les bienvenus à cette cérémonie d'ouverture du 31e Festival international du film fantastique de Gérard Mué, un festival placé cette année sous le double signe des images et des mots, 5 jours pendant lesquels vous pourrez frissonner de plaisir devant pas moins de 43 films venus de 16 pays différents. Et pour débuter cette cérémonie d'ouverture, comme il se doit, je vais vous demander de bien vouloir accueillir à mes côtés Madame l'adjointe au maire de Gérard Mué. Mesdames et messieurs, Anne Schweizeski. Bonsoir à toutes et tous. Monsieur le président du festival, cher Pierre, monsieur le directeur du festival, monsieur le président du conseil départemental des Vosges, madame la préfète du département des Vosges, mesdames et messieurs les membres du jury, mesdames et messieurs les représentants de force de l'ordre, mesdames et messieurs, en vos grâces et qualités, chers bénévoles, chers publics et, j'ose espérer, chers amis. C'est un honneur pour moi de me retrouver devant vous ce soir lors de la cérémonie d'ouverture du 31e Festival international du film fantastique de Gérard Mué. Honneur et confiance que m'offre ce soir le maire de notre belle ville, Cécile Tessman-Mozas, présent dans cette salle et qui m'a demandé de vous accueillir dans cette soirée inaugurale. 31 éditions. 31 éditions au cours desquelles la réputation de cordialité, de convivialité, de savoir-vivre et de savoir-être des Gérardmois n'a jamais failli. Un festival qui se prépare d'une année sur l'autre. Une équipe de 600 bénévoles, sérieux, efficace, sûr, fiable, qu'une armée de métiers pourrait jalouser. Public système cinéma et son professionnalisme parisien, c'est à quel point les Gérardmois savent recevoir. De la petite main qui scanne et dit l'entrée, aux chauffeurs de jury attentionnés, aux responsables des bénévoles, aux gardiens des expositions, aux agents du service propreté. Tout est mis en œuvre à Gérard Mué pour assurer 5 jours inoubliables aux amateurs de frissons et à nos jurys. La ville et ses services, ainsi que ceux de la communauté de communes de Gérard Mué aux Vosges, se mettent au diapason. Et c'est avec fierté que les élus, monsieur le maire en tête, abondent chaque année le budget destiné à faire vivre notre festival. Nous savons aussi que nous pouvons compter sur les professionnels et sur les structures partenaires, le lycée hôtelier avec ses élèves et leurs enseignants, l'Office du tourisme, le groupement des hôteliers-restaurateurs, la maison de la culture et des loisirs, le joint casino, les commerçants, les industriels, les habitants. Tous mettent un point d'honneur à participer activement à l'accueil des festivaliers. La région Grand Est est fidèle à vos côtés, cher Pierre. Et comme le conseil départemental des Vosges, merci à l'ensemble des partenaires institutionnels et privés de permettre de faire vivre notre territoire de cinéma et faire rayonner Gérard Mué. Cette année, le jury fait la part belle à la littérature. La littérature peut être dangereuse. Elle nous pousse à vouloir consommer des classiques, par exemple. Classiques qui se transforment en scénarii. Scénarii qui donnent parfois naissance à des films de genre. J'en veux pour preuve un roman de Oscar Wilde qui va me permettre de vous confier en quelques minutes ma première expérience d'adolescente du film fantastique. J'étais chez moi, j'avais 13 ans, ne cherchez pas, ça fait 50 ans. Avec ma petite soeur de 11 ans, et nos parents nous faisaient confiance et nous avaient laissés seuls à la maison parce que ce soir-là, ils étaient au cinéma, justement. La télévision passait ce soir-là un film qui, sur le moment, ma soeur et moi, nous parut complètement anodin. Et son grand danger, il s'agissait du portrait de Dorian Gray, film américain en noir et blanc de 1945. Pour ceux qui ne connaissent pas le pitch, c'est à l'origine un roman de Oscar Wilde qui raconte l'histoire d'un bel jeune aristocrate dont le portrait se détériore et prend les stigmates de vieillie et de vieillesse en lieu et place du modèle. Terrorisé, recroquevillé au fond du canapé familial, rassurez-moi, vous pouvez regarder ce tableau caché sous un drap au fond du grenier du principal protagoniste et qui enlaidissait au fur et à mesure des vilainies du dénommé Dorian Gray. Ma sœur et moi avons attrapé ce soir-là le virus du film fantastique. Et c'est avec un sentiment d'effroi, mais aussi une grande fierté, que nous parlons encore aujourd'hui de cette expérience cinématographique. Le cinéma genre explore la lui-même, sa psyché et ses détours.
il ne laisse jamais indifférent. Il permet de sonder nos peurs, nos angoisses. En fait, il nous met à l'épreuve. C'est ce gymnasium que vous êtes tous venus chercher dans nos salles obscures à l'occasion des 5 jours du festival qui s'ouvre ce soir, sous la houlette de son directeur honorable et de son président emblématique, Pierre Taché. Encore merci à tous celles et ceux qui rendent cette 31e édition possible. Très bon festival à toutes et tous. Vive le cinéma et vive la radio. Je vais maintenant vous demander d'accueillir à mes côtés sur scène le président du conseil départemental des Vosges, François Vincent. Merci, merci beaucoup pour votre accueil. À mon tour, je ne manquerai pas de saluer les personnalités présentes, la préfète, ses services, saluer tous les services de l'État ici présents, saluer les conseillers départementaux, en particulier Thomas Gion, qui est le régional de l'État, et Régine Bézel. Je saluerai bien sûr M. le maire, ainsi que l'ensemble des membres du conseil municipal. Et je dirais simplement, chers amis, chers Pierre, chers bénévoles, encore une fois, un grand merci. Un grand merci pour votre engagement. Je suis très heureux ce soir d'assister à la 31e édition. Très heureux, c'est peut-être un bonheur que l'on peut condamner, car j'assistais à la première édition. Ça ne me rajeunit pas, mais la vie est ainsi faite. Il est vrai qu'il y a 31 ans, 32 ans, car j'ai assisté en tant que député aux préparatifs, à toutes les éditions, en tant que parlementaire, quand je pouvais aider ce festival, je le faisais, et force est de constater qu'en 31 ans, il y a eu beaucoup de chemin parcouru. Alors je tiens, très simplement, à remercier bien sûr tous les partenaires, la région, bien sûr le département, nous sommes présents, nous sommes fidèles au poste, saluer la ville, saluer ces 600 bénévoles, ce qui est tout à fait remarquable, les partenaires aussi du monde de l'entreprise, du monde économique. Tout ça pour vous dire que, en 31 ans, force est de constater que les Girondins, les Girondines, les Vosgiennes et les Vosgiens se sont accaparés ce festival. C'est désormais leur. Et ce festival leur appartient. Et ce que je dis n'est pas anecdotique, car au fil du temps, le département des Vosges, sous l'impulsion du conseil départemental, est devenu une véritable terre de tournage. L'année dernière, nous avons tourné dans les Vosges plus de 100 jours, 100 jours d'affilée, pour bien sûr offrir les beaux paysages de notre département à des productions. Donc là encore, avec ce festival, et c'était bien le but recherché à l'origine, eh bien ce festival a considérablement contribué à l'attractivité de notre département. Alors, monsieur, je veux remercier les bénévoles qui se sont impliqués sans compter, avec fidélité, sous la lettre, bien sûr, de Pierre Sachaud, de toute son équipe. Je saluerai aussi, bien sûr, l'équipe de Publicisain. Et j'aurais compté aussi pour Pierre Souchon, qui était un des premières. Lionel Souchon, qui a été un des premiers artisans de ce festival. Et aujourd'hui, le reprend le flambeau avec, bien sûr, un talent, un grand talent. Alors, toute cette alchimie, finalement, qui est le réceptacle de sensations fortes, eh bien, correspond aussi à un trait important de notre département. Donc, merci. Merci aux uns et aux autres. Je ne manquerai pas de saluer aussi cette année ce beau casting pour le jury. Je saluerai Bernard Deller, bien sûr, tous les membres du jury, un jury d'exception, sans oublier Samuel Sommer, notamment
Monsieur Cornillac qui a tourné cette fantastique, film auquel les élus locaux que nous sommes ont été très, très sensibles. Alors, aujourd'hui, nous avons tous les ingrédients nécessaires pour que cette 31e édition soit une fois de plus une réussite. Une réussite qui permet de créer des sensations fortes aux festivaliers qui sont des passionnés, qui aiment ce festival fantastique, qui évidemment crée des pulsions qui sont évidemment importantes dans le monde que nous connaissons aujourd'hui. Alors, très sincèrement, je souhaite une excellente édition 2024. Je suis convaincu que cette édition sera une fois de plus un grand flux. Le conseil départemental est bien sûr à vos côtés. Nous sommes derrière vous car la culture est un point important de la politique que nous déployons à l'échelle de notre collectivité. Et en conclusion, tous les festivaliers vont repartir en disant « Je vois la vie en rouge avec fierté, vive le Festival du film de fantastique, vive Gérardmer et vive les Rouges. » Je vais maintenant vous demander d'accueillir à mes côtés la préfète des Vosges, mesdames et messieurs. Merci d'applaudir Valérie Michel-Mauroy. Monsieur le président de l'association du Festival de Gérardmer, monsieur le maire, monsieur le président du conseil départemental, mesdames et messieurs les élus ici présents, monsieur le directeur de Public Citizen Cinéma, mesdames et messieurs les membres du jury, mesdames et messieurs, chers festivaliers, chers cinéphiles. C'est un grand plaisir aujourd'hui qui s'offre à moi pour l'aube de cette 31e édition du Festival du film fantastique de Gérardmer. Ce festival, effectivement, a su s'imposer comme un événement incontournable dans le paysage culturel français. Propulsons notre territoire au cœur de l'imaginaire cinématographique. Il est le reflet de notre attachement au cinéma, de notre volonté de soutenir la création artistique. L'État, conscient de l'importance de la culture et du cinéma en particulier, a toujours été un acteur engagé dans leur promotion et leur développement. Nous œuvrons à vos côtés pour favoriser la diversité des œuvres, soutenir les talents émergents et garantir l'accès à la culture pour tous. Alors, après la crise sanitaire qui avait suscité des inquiétudes sur une possible désaffection du public, l'année 2023 affiche des résultats proches des niveaux d'avant-crise. La fréquentation des salles atteint 180 millions d'entrées, c'est-à-dire près de 19% si on se compare à 2022. La France est ainsi l'un des pays où la reprise de fréquentation est la meilleure. Et cette progression confirme bien l'attachement des Français à l'expérience de la salle de cinéma et à leur appétence pour la diversité de l'offre. Alors le cinéma, en tant qu'art, mais aussi industrie, est un vecteur essentiel de notre identité culturelle. C'est un formidable outil de dialogue et de compréhension mutuelle. C'est pourquoi l'État continuera d'investir dans ce secteur et de soutenir des événements tel que le festival du film fantastique de Gérardmer nous sommes ce soir, à travers, bien sûr, le développement du territoire. Le Massif des Vosges soutient également encore cette année le festival, tout comme le Centre national du cinéma, que nous connaissons bien. Alors, ici, à Gérardmer, ce soir, la magie du fantastique s'entremêle avec la beauté naturelle des Vosges, créant un cadre propice à l'évasion. Forêt mystérieuse, lac scintillant, et son image majestueux offre au festivalier un décor enchanteur. Le festival du film fantastique de Gérardmer, fidèle à sa réputation, prend une sélection de films captivants et innovants, repoussant les limites de l'imaginaire. Les réalisateurs les plus talentueux du genre rivaliseront de créativité pour transporter le public dans des mondes parallèles, où le surnaturel et l'étrange se conjugueront pour éveiller toutes les émotions. Je me réjouis de voir la magie opérer, tant dans les salles obscures que dans les rues de la ville. Véritable vitrine de notre département, ce festival renforce les Vosges comme destination de choix.
où l'art et la nature se rencontrent pour créer une expérience inoubliable. Et au-delà de la programmation cinématographique, une programmation variée d'événements culturels est également proposée. Et cette édition 2024 est placée sous le signe de l'écrit à l'écran. Des expositions, des rencontres littéraires, des tables rondes permettront au public de profiter pleinement de ces quelques jours dans le département. Ce festival n'aurait pas lieu, ça a été dit, sans le soutien indéfectible des partenaires, mais aussi des bénévoles, des équipes techniques et artistiques. Et je tiens à les remercier très chaleureusement pour leur engagement, leur contribution à la réussite de cet événement. Bravo à vous, Monsieur le Président, et à travers vous, toute l'équipe du festival. Que cette 31e édition soit marquée par la découverte et le partage, et que le Festival du film fantastique de Gérard May continue d'insuffler la passion du fantastique dans le cœur de tous les amoureux du cinéma. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent festival, riche en sensations, en émotions et en surprises. Et je vais maintenant vous demander d'accueillir à mes côtés le président de l'Association du Festival International du Film Fantastique de Gérard May Fantastica. Il s'agit, vous l'avez reconnu, de Pierre Sachaud. Nous avions connu une affluence record. Et lors de cette 31e édition, vous allez à nouveau être très nombreux aux projections et sur les différents lieux d'animation. Alors, je pense que pour 2025, il est absolument indispensable de prévoir une 5e salle de cinéma. Alors, le moment que suscite notre événement me ravit, ou plutôt nous ravit, car il faut associer à cette réussite non seulement les bénévoles de l'association que je préside, les équipes de Public System Cinéma, mais aussi nos partenaires, que je remercie tous chaleureusement. Merci beaucoup. Comme je dis souvent, le festival de Gérard May, dont l'organisation rassemble près de 600 bénévoles, 600 personnes, est une grande famille. Et c'est grâce à elle que le défi est relevé chaque année. J'aimerais aussi remercier nos invités. Ce soir, nous avons le plaisir de compter parmi nous le jury long métrage, qui va venir, qui va monter sur scène tout à l'heure, de cette 31e édition. Pour le président est justement un membre à part entière de cette famille depuis toujours. Fidèle parmi les fidèles, il est venu comme membre du jury, réalisateur en compétition, auteur et même maître de cérémonie d'une séance d'hypnose. Voilà, cher Bernard Werber, cette année, vous êtes président du jury et bien entouré. Merci d'applaudir notre jury en métrage. C'est toujours en famille que cette cérémonie va se poursuivre avec la montée sur scène de Bruno Barin, le directeur de Public System Cinéma, qui va se cacher derrière. Suivi du jury long métrage, puis la projection d'un film réalisé par Hideo Nakata, lui aussi ami de longue date
de notre manifestation. Voilà, France, excusez-nous un peu. Merci beaucoup, très bon festival. Et comme Pierre vient de vous dire il y a quelques instants, nous allons effectivement maintenant accueillir donc côté sur scène le directeur du Festival du film fantastique de Gérard Mais. Mesdames et messieurs, merci d'accueillir Bruno Bard. Je ne suis pas Marcel, mais j'aime bien. J'aime bien. On a un grand guitariste. Bonsoir. Pierre a raison, merci d'être avec nous, merci d'être là, d'être fidèle et de participer à cette belle aventure. Mon discours dit bonsoir. Alors, bonsoir. Cette 31e édition ambitionne de nous ravir, de nous emporter au firmament, faisant ainsi les cieux, le cœur de ce lieu. À dessein, vont nous placer le festival sous les auspices des belles lettres, en proposant à Bernard Werber et Bernard Minier, écrivain de renom, de présider nos jurys et d'animer une table ronde. Table ronde qui fait rencontre avec le public autour de l'écriture, où ils seront rejoints par Jean-Paul Salomé, membre du jury et qui vont voir l'adaptation au cinéma, notamment de Belphégor et d'Arsène Lupin et de film. Mais sans la dame, la plénitude n'existe pas. Aussi avons-nous demandé à Audrey Théa, autrice, de nous faire entendre le sacré quand celui-ci dépasse ses opinions, pour interroger la métaphysique et l'ésotérisme, soit ce qui est caché, ce qui, vous en conviendrez, est bien l'actrice du fantastique. Les plus graves écrivains d'hier et d'aujourd'hui ont sédentarisé le verbe en ne trahissant pas sa beauté, noire ou lumineuse, rêvée ou cauchemardesque. Ainsi, Balzac avec Serafita, nouvelle connue sur l'androgyne paternelle, ou Dieu avec le conte du serpent vert, totalement incompréhensible pourtant écrit par lui, Bram Stoker évidemment avec Dracula, Marie Shelley avec Frankenstein, ou plus récemment Frank Herbert avec Dune, et bien sûr Stephen King, j'en oublie volontairement beaucoup. Tous, on oublie pour toujours l'imaginaire du cinéma fantastique. L'hommage à Gareth Edwards, pour seulement 4 films, est amplement mérité. Car si le talent entendait le nombre des années, Gareth Edwards serait 100 ans. Tant ces films, qui pour Lozia et Rogue doivent beaucoup à l'écriture, portent le sceau de l'histoire d'une poésie déchirée de la mythologie. Enfin, la compétition s'ouvre ce soir. Sous le regard bienveillant et salutaire du jury, que je remercie avec chaleur, avec le film de Hideo Nakata, ami du festival, puisqu'il gagna le Grand Prix avec Darkwater en 2003 et reçut un hommage en présence du jury en 2006. Je vous invite donc à célébrer les noces chimiques de l'art littéraire et de l'art cultural dans un mouvement de cinéma où parfois se révèlent des vérités ignorées, auréolées du mystère du canard. Vous allez donc pouvoir assister dans quelques minutes, vous l'avez tous compris, la projection du premier film de la compétition. Et pour départager tous les films de la compétition qui vont être projetés dans les 4 et 5 jours qui viennent, eh bien nous avons un jury long-métrage. Et ce jury long-métrage du 31e Festival du film fantastique de Gérard Mais, eh bien il va me rejoindre maintenant sur scène. Mesdames et messieurs, merci d'applaudir la comédienne Caroline Anglade. Le réalisateur et le scénariste Sébastien Galichet. Et le réalisateur et le scénariste Sébastien Galichet.
président de ce jour 2024, et Bernard Leclerc. Bonsoir, c'est un grand bonheur d'être président, d'être, de revenir cette année. Je regardais, je suis là depuis 1998 et j'ai pu voir beaucoup de sessions. Et chaque fois, c'est un cinéma à nouveau. J'ai l'impression qu'ici, chez Armée, on voit des auteurs qui osent faire des choses qui sortent de l'ordinaire. Donc, je vais essayer de présider ce jury et ce jury prestigieux de manière à. Est-ce qu'on aille vers l'originalité et qu'on trouve aussi la petite pépite de l'année. Merci. Merci beaucoup. Je vais demander à toutes ces gens que nous rejoignons sur scène, ainsi qu'à Pino Rame, qui nous conseille cette chorégraphie du jury de cette 31e édition du Festival du film fantastique de Gérard. Et vous pouvez de nouveau les applaudir. Charlotte Gabriel, Mathieu Curie, Sébastien Yanchek et Bernard Werber qui vont donc avoir à départager les films en compétition cette année au Festival du film fantastique de Gérardmer. Ce sera donc la deuxième journée du Festival de Gérardmer. Il y aura beaucoup de projections, beaucoup de films, de documentaires que vous pourrez découvrir. Il y aura notamment quatre films qui vont être présentés par leurs réalisateurs respectifs. Il s'agit des films La Morsure, en présence du réalisateur Romain de Saint-Blancard. Ce sera ici même à 14h30. Il y aura également le film documentaire Kaïda, histoires étranges de fantômes japonais de Yves Montmailleur. Ce sera au cinéma du Casino à 15h. Vous pourrez également assister à la projection du troisième film de la compétition de Funeral de Orchul Behram. Ce sera ici même à 17h. Et enfin, le quatrième film de la compétition demain, Amelia's Children, en présence de Gabriel Abrantes, ici même à 20h. Et maintenant, vous allez pouvoir assister à la projection du premier film de la compétition. Il s'agit du 23e film réalisé par son réalisateur que nous connaissons très bien ici. Il a remporté le Grand Prix en 2003. Avec Dark Water et a présidé le jury 3 ans plus tard. Il s'agit du film japonais The Forbidden Play et son réalisateur, c'est Hideo Nakata. Je vous souhaite une bonne projection et une bonne soirée à la fin du festival. Merci.